J'ai vu les commerçants qui ne sont pas du tout contents, qui sont choqués parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Certains qui ont commerce, qui travaillent depuis 40 ans sur cette avenue, voilà, donc choqués, en colère, beaucoup de colère, parce qu'ils ne comprennent pas qu'on ait pu laisser ces casseurs donc faire ce qu'ils ont fait hier, donc faire de cette avenue donc un chaos. C'était devenu une guérilla urbaine avec les affrontements, avec les commerces qui sont brûlés, vandalisés, pillés. Et moi, je viens juste de me faire enguirlander par un habitant du quartier parce qu'il ne comprend pas qu'un maire d'arrondissement ne puisse pas arrêter ces manifestations. On leur a expliqué, moi je lui ai expliqué, que le maire d'arrondissement que je suis n'a aucun pouvoir sur la sécurité publique. Donc il compare avec la ville de Nice, sauf que les maires de plein exercice qui ont une police municipale, nous n'avons pas de police ni municipale et nous n'avons aucune compétence sur la sécurité donc publique. Cela dépend du préfet de police et cela dépend surtout du ministre de l'Intérieur.